J'arrive. Je devrais vous voir normalement. Je sens qu'avec cette foutue île de Novistrana, on va avoir 10 solutions différentes avec 10 véhicules différents de l'aborder, tu vois. On les prend en chasse, les gars. Get your roots and score by coming here and doing some motherfucking music. Parce que c'est toujours une merde pas possible. On va où? On va au PBX? Attendez, j'aimerais vous repérer parce que là je vous vois pas sur la côte. Pas sérieux? Ah. T'es vraiment handicapé, oh, mon putain gars. Vous êtes... Ah, j'ai oublié de prendre les JVN. Ah non, j'étais sérieux en plus, hein. Je vous jure, vous êtes dur à voir. Je vois en noir et blanc en plus avec cette foutue nuit. c'est bon, on oublie. C'est là, c'est lui, c'est pas lui. Parce que j'ai regardé direct à droite, je pensais que vous étiez encore plus au nord. Bon. Engine à 20%, mec. Il commence à couler le radeau. Il est à moitié dans l'eau. La marche arrière avec le radeau, quoi. Par contre, je crois qu'il y a 3 places dessus ou quoi. Voilà, ouais. Ça me donnerait... Ça m'attendait pas qu'il y en ait que 3, ouais. Franchement, regarde. Déjà qu'on est à moitié. On est à moitié dans l'eau, à moitié sur l'eau là. J'avoue. Par contre, je sais pas qu'est-ce que tu comptes faire, mais faudrait carrément l'aborder différemment là. Mais on fait quoi en fait? Je sais pas. Il faudrait l'aborder par le nord, les gars. La forêt nord de la deuxième île. Genre faudrait que tu passes. Moi je voulais aller voir s'il y avait pas le PBX. Ouais, si, si, faut y ouais, aller, voilà, faut y mais de toute façon, c'est ce que je veux dire. On contourne l'île du château. Et on se pose direct sur l'île principale, on va dire. L'île, la grande île. Par le nord. Vous voyez là où il y a écrit Baltic Sea. Cette crique là, la crique. Vers la montagne là de l'Isagora. Tu vois ce que je veux dire? Le nord, quoi. Le nord. Non? Qu'est-ce que t'en penses, capitaine Cousteau, avec tes JVN, enfoiré? Y'a pas un bruit là? Ouais, le bruit d'un vieux radeau pourri. On dirait des vieux passeurs de drogue, tu sais. Immigrés clandestins. Je suis avec deux Renault en plus. Je suis le passeur, moi, les gars. Attends, c'est bizarre, il est pas sur la côte le bateau là-bas. Pas un PBX. Non mais c'est pas ici, c'était plus à droite, non? Attends, attends, on va accoster, on va aller voir ce qu'il y a parce que c'est pas un PBX le bateau, je crois. T'as vu, hein? Et en plus, il est pas sur la côte. On dirait qu'il est à quelques le mètres. Le PBX, on l'avait mis là. Ouais. Ah mais là-bas, il y a un truc, hein. C'est sûr et certain. Tu l'as tanké là, non? Ah. Ah, comme il a soif de sang, Brock. C'est quoi là-bas? C'est en mouvement, c'est vivant. Oh. Oh. Le sol, il est presque vert, quoi. Je baisse un petit peu les gammas. Alors, verdict, c'est quoi? Un gros radeau. Un gros radeau. Utilisable? Utilisable, oui, certainement, mais... Qui dit gros radeau dit grosse équipe. Pas forcément. Déjà les MMX ils nous feront pas chier, ils sont à Salva. Ah non, c'est. C'est Green qui est à Salva. Moi je monte dans la forêt là, voir s'il y a pas une équipe qui descend parce que. Il est au taquet d'essence et il est vert l'engine. Et oui, mais ça, on s'en fout, le matériel, moi, je veux dire. Bah, il y aura rien dedans, hein. Bison, mini Uzi, 3 big jerrycan, water bottle, des Makarov, des haches. Et qui paye? Dora. Il risque d'avoir du monde, là, là. En train de remonter moi vers le château là. Ah, je suis derrière toi. Je check un petit peu le nord là.
Vous voulez qu'on jette un coup d'œil au château avant de partir? Ouais. On va partir en gros radeau du coup. Bah ouais, carrément. Franchement, s'il y a encore la pelleteuse, je sais pas ce qu'ils foutent les gens. Putain, je suis passé devant la porte comme un con. J'ai entendu un bruit bizarre de l'intérieur. Vous êtes où les gars là? Vous êtes à la faille? Moi je suis rentré dans une faille là. Ouais, je suis devant une faille aussi. Moi je suis devant une faille là. Ouais, je suis devant la crinière. Fais gaffe, il y a la fente du château juste en face. La porte, je veux dire. Il n'y a plus la pelleteuse, je crois. Bah, elle est en plein milieu. Hein. Quand tu serais devant là, s'il y était. Ah non, je l'ai pas. Je confirme, plus de pelleteuse. Il ne reste que les miettes. Et là, il y a quelque chose là-dedans, quoi. Non. Vas-y, on se casse de là. Ah ouais, on se taille. Ça pue ici. Pourquoi y a un zombie qui rentre dans le château? Là-haut. Demande-lui. Hé hey. Qu'est-ce que tu fous là, mec? Non mais c'est chelou. Il a aucune raison de rentrer là-dedans. Vas-y, va checker. Non, il ressort. Restart in 10 minutes. Ah fuck. Bon allez, on back vers le gros radeau les gars. C'était bon toi, tu gères deux moteurs à toi tout seul quoi. Eh ouais. Putain les années de navigation. Attention là on va se prendre un iceberg je sens. Ouais parce que ouais. Fais gaffe, ne fais pas un remake du Titanic. Ouais, c'est pas le moment. Ouais, dû partir dans l'autre sens Brocky. Ben non. Pourquoi? Non c'est galère sous le pont, t'inquiète, il va vite celui-là, on a le plein, tranquillos. Je sais pas, imagine y'a un secret, tu sais, je sais pas, un loot. Il y a une croix sur la côte, je crois. Une chèvre. Ah ouais. Bon, elle avait un peu une tête de croix quand même. Ouais. Le mec essaie de se rassurer. J'ai pas complètement dit n'importe quoi. Y'a rien. Ah ouais. Y'a rien, Fab. Pourquoi tu nous as fait venir jusqu'ici? Ah ouais. Oh putain. Bon, y'a un hélico en face. Ah non, c'est un oiseau. Oh putain, mais lui, oh mais. Il est grave quand même. Moi je vois une tache noire de loin direct, hélico. Attends, mais entre le bateau, le. Qu'est-ce qu'il nous a dit juste après? Bah la croix. La croix et l'hélico quoi. En une minute il a fait 3 fois de la merde. Non mais tu sais quoi, après cette session, je te jure je repasse en 1080. Attends, c'est pas un von Nick devant là? Ah non, c'est un pont, pardon. Vonic amphibie. Si c'est l'amphibie, ça je le reconnais. Oh, c'est le pont ça. Ah ouais, un pont. Ouais, bah c'est exactement là où je voulais qu'on accoste, tu vois. Merde, j'ai pas fait. Je vais le faire. Non, ok. On s'est retrouvés tous les deux au même endroit. Donc on est exactement dans la... Ouais, on est dans la crique. Dans la crique. Pff, pas du tout une crique. Dans le renfoncement nord de la grande île. Petit rappel, elle est où déjà la déchetterie? C'est en dessous de Boleslava, non? C'est où? C'est là où les mecs ils ont mis le limite, c'est là où ils ont mis on aime les vaches. Mais moi j'ai pas de on aime les vaches moi. Tu vois Boleslava là? Ouais. Ben il y a la forêt de mes couilles là. Au-dessus à gauche là où il y a une... Non? Dead Forest là, ouais. À gauche. Ah ben c'est là. Ok, c'est pas indiqué sur la map, c'est en plein milieu. Ah ouais. Ok. À pied, autant dire que c'est la mort. Ouais. Ok. Le seul secret qu'il y a, c'est à Sabina, c'est pourri avec des AK, c'est bug. Non, non, voilà. Non. C'est voilà faux. La vérité. C'est faux, Brock. Il y a le crash du jet privé. Il y a le crash du jet privé. C'est pas le truc, c'est hein, tout le monde l'a déjà visité hein, 10 fois, sauf nous. Tu crois? Ah, c'est vrai. Parce qu'on est... Tout le monde l'a trouvé? Ah oui. Mais non. On est toujours en retard sur les choses. On fait quoi du coup? Bon. Tu jouais pas à GTA. Ouais.
Non, attends, j'ai pas joué à GTA depuis. On aurait un stronghold là. Ça, c'est possible. Tellement je suis efficace dans dans ma technique de loot. Je propose une chose simple. On part. Je sais pas du tout, les gars. C'est Zeleny Kilim. C'est où on va vers le nord de Vladimir? Où on part au nord de Krivozopol? Ou on part droit entre les deux? Et limite là, je trouve là où on a accosté, c'est pas bien quoi. Mais on peut reprendre le bateau, hein. Monter tout droit là sur la colline et on va avancer à pied. Sur la colline, sur la montagne? Ouais, sur la montagne. Ok. Je suis avec toi, Fab. Ok, il longe la côte. Tu lui dis monte tout droit sur la colline, il monte sur la côte. Tu vois pourquoi il faut pas le laisser seul ce mec? Parti en cours. Et j'adore ton équipement bleu ciel bien camouflage. Ah, t'as vu. C'est propre. Est-ce que quelqu'un est en vie? Vous m'entendez? Je crois que Brock s'est fait bouffer par une créature. Brock? J'ai entendu un cri sourd puis plus rien. Brock? Je vous attends! Et on est sur la neige là, on est tout au sommet. On est sur la neige. Sur la neige? Tout au sommet, tout au sommet, et quand tu pars. Par rapport à comment on est monté, un peu à droite. Il a trop dérivé. Vous avez au taquet longé la côte, les gars. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il est monté en diagonale, ce fou. On se rabat un petit peu, mais mets-toi bien au sommet là où c'est plat et on va se retrouver. Ben, juste derrière toi, je te suis depuis tout à l'heure. Moi, dans le sac. Non, non, tu te sers dans mon sac. Moi, je reste en couverture. Genre, on est trop dans le coin le moins intéressant de toute l'île. S'il y a un mec, ouais. Franchement. Je vois un truc là-bas. Ok, il y avait rien du tout, vous en doutiez, je pense. Ah. C'est pour ça que vous m'avez même pas demandé où. Il y a Brock, ok. T'es parti où? Il est là, en face de nous. Ouais, je vous suis. Comment ça, en face de nous, je te vois plus? Et on lui tire dessus. Il est en face de toi, on est. À ta droite, derrière toi. Oh putain, mais je vous jure, hein, j'ai un problème de réglage ou je sais pas quoi, parce que je vois trop pas les gens, moi, ah dans non, ce jeu. Mais remets tes lunettes, gros. Mais je les ai, mais faut que je change, je crois. Zeleny Kilim, allez, on part vers là et on va atterrir à Vladimir. Non mais, depuis quand t'es notre chef? Voilà, Vlad, c'est marrant, Vlad, c'est grand. Il y a les silos, là, genre la forêt de la mort, après. Ouais. Vas-y, allez. Tu le sens comme ça? On descend à Zeleny Kilim, voir un peu ce qu'il y a droit face à nous, là. C'est parti. Zeleny Kilim. Zeleny Kilim. Tu le prononces bien, s'il te plaît? C'est ma terre natale. C'est beau quand même, hein, franchement, j'aime bien moi ces sommets un petit peu plats, bizarres là. Ces sommets plats pointus ronds. Ces sommets creux, arrondis, plats. Avec de l'herbe autour. Non, mais c'est vrai, ça fait un peu Jurassic Park. Ouais. Non? Ok, j'arrête. Mais c'est pas, c'est pas indiqué sur la map ce putain de silo là, si? En mode accroupi. Ah si, ça s'appelle silo, l'endroit où il y a les silos. Et vous savez où on est là, les gars? C'est l'endroit où il y a écrit origine sur le sol. Ouais. L'endroit qu'on a survolé en hélico. Une légende dit qu'il y a un secret. Non, c'est pas vrai. Gardez bien l'œil ouvert. Parce que s'il y a des gens au sol qui se baladent sur toute l'île, ils vont forcément passer le long des routes comme ça. Je m'écarte sur ta droite, parce que là. On voit quelque chose, les gars, ou quoi? Ouais. Il y a un putain d'avion qui rebondit là-bas, là. Intéressant. Moi, je vois Vladimir là-bas. La ville.
Et moi je vois la forêt de la mort. Oui, vous le voyez pas l'avion qui rebondit là. Alors l'avion moi, vert, là. J'ai un truc qui me gêne là. Je vois la carcasse de bus. Les zombies, c'est nous? Ah, je contrôle la boîte. Il vient de spawn là, gros. Ouais, probablement, hein. Attendez, les gars, vous êtes au pied du silo ou vous êtes resté en lisière de forêt? On est au pied du silo. Il y a des silos là entre les deux. Moi, je vois la route de Vladimir là. Que je vais checker d'ailleurs. La forêt de la mort, elle est à 500 mètres à notre droite. Non mais t'es chaud, tu veux vraiment qu'on aille voir là-bas? Je sais pas. Bon. Oh non, je pense... Ah si, je vois le gros avion qui rebondit, putain, dans la forêt. Effectivement. On va avancer vers Vladimir, mais il faut checker absolument s'il y a des zombies. Quoi. Et ça va être ça le plus dur, de s'approcher sans les faire spawn soi-même. T'es où hier? Lisière forêt derrière, en longeant le. Derrière, juste derrière. Je suis lisière forêt en longeant vers Vlad. À l'abri des sapins, je sais pas si vous êtes. On est proche de Vladimir là, les gars. Ah ouais. Ah là ça se spawn. Cadenas rouges, ah ouais. Test big tour là. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Chelou hein. Je suis allé dans ce bâtiment là où il y a la big tour et rien. Genre des canettes et tout. Je sais pas pourquoi elle me fait flipper cette ville. Elle fait aggro, Brock. Ouais, Brock, t'as un zombie derrière toi. T'as un spawn. Tout a spawn. Ah oui, non, mais là. Pas nous, ça. Tu crois? Bah, si tout a spawn comme ça. Tu veux dire. Oh, tu m'as fait peur, oh le con. Tu veux dire, y'a du loot? Ouais, y'a ça à looter et tout, quoi. Mais t'es rentré dans la ville ou t'es allé côté mer? Ah là, je suis côté mer là. Ok. Je suis rentré dans une. Dans une. Il doit être là à gauche, Fab. Une petite truc là. Ouais, je suis. Oh putain de merde. Je suis devant toi là, à ta gauche. Je suis devant vous. Ah, mais j'ai un zombie au cul. Oh, cette ville. Oh. Xia. C'est moi. Hein. C'est moi qui est sorti de là où j'arrivais. Il y a un sac à dos si quelqu'un a besoin d'un satch pack. Ah non, c'est bon. Un flingue M1900 posé sur le. Ça c'est bien ça. Il est posé sur un petit comptoir de ce style. J'ai checké la carte où c'est qu'on pourrait aller. De Vlad, c'est sympa, mais y'a rien de spécial quoi. Non, mais avait l'avion crashé à côté et les spawns déjà spawn comme ça là? Vous êtes où les gars? Je pense qu'il y a du monde moi. Vous avez continué sous le pont? Ouais, je suis à côté du pont. Ok, un broc avec des zombies au cul et moi aussi. Dead Forest ou quoi? Non? Qu'est-ce qu'on fait en bac par là-bas? Checker l'intérieur de la ville pour voir s'il n'y a pas des mecs. T'es rentré dans la ville ou? Je suis dans en face là dans les sapins là, dans l'espèce de petite. Ok, je vais te suivre. Je suis dans la gare moi là. Je te vois Brock, je suis à ta droite. Mmh.
Bad Boy Bag. Avec un petit nounours dessus. Oh putain, il m'a mis une pêche d'enfoiré. Toilette des filles, toilette des garçons. On va sortir les gars, y'a rien. Ouais. C'est quoi, c'est un hôpital ça? Même pas ça. Ouais. Peut-être checker rapidement l'hôpital. Moi je suis dans le bâtiment en triangle, là. C'est sympa ça, tu devrais venir voir. Le bâtiment qui est en dessous là? En dessous de... Il forme là, un triangle là. Dans la statue quoi. Ouais, la tour. La grande tour là. Ok. J'arrive. Il y a deux chantiers là-bas. Putain, je te dis pas, ici s'il y a du monde, c'est dangereux. Tu vois rien avec toute cette verdure là. Ok, je rentre, hein. Je suis devant le grand escalier. Ah, une guillie, nickel. Ah. La mer. Un school bag. Qu'est-ce qu'on fait? On va checker vite fait la déchetterie. Ah, je pense qu'on a que ça à faire. Hein. Ah. En tout cas, il y a... ça loot bien, on dirait ici. Ça, c'est Dead Forest. Ouais, on est à 100 mètres. Et la putain Gilly. Ah, c'est sympa ce bâtiment. Là. T'as une paire de jumelles d'un côté là. Ah, moi, il faut aller surtout à manger à boire. Là. C'est pas mal, c'est bien. T'es où, Brock? Bah, je vais dans la forêt. Vas-y, go, tout attends, droit. Attends, tout droit, c'est faut qu'on trace droit devant. Ouais. Faut qu'on avance coucher, les gars. Oui, mais. Je vais essayer de choper un visu et sortir les jumelles. T'es proche toi là? T'es... Ouais, je suis à 200 mètres. Ouais, là où t'es Brock, c'est un petit peu plus haut que... que la déchetterie. Il y en a juste là. Pas avancé pour le moment, je check. T'as pas des mecs. C'est un petit peu un mix de Alien et Predator, tu sais. C'est vrai que non. Pas de mouvement à l'intérieur? Oh putain, il y en a un à l'intérieur là. Ouais. Un, deux. Ah ouais, non, mais c'est combien il y en a à l'intérieur? Moi je check la forêt autour, ouais, surtout. Là ils ont spawné. Tu crois que c'est possible de rentrer discret? Ah, y'a moyen, la dernière fois avec Yuki on a réussi. Genre vous êtes rentré sans en aggro un seul? Si, moi après j'ai aggro, mais genre on a réussi à se barrer quoi. Genre si tu fais ça rapide, les tentes les looter rapidement. Il y a une autre technique aussi. Les attirer. Il y en a un qui les aggro tous. Ah ouais, limite, il faudrait tester de lancer une chimie ou. Moi j'ai une grenade, c'est tout ce que j'ai. Pas si en zéro et tout quoi. Ok, je te vois, fais gaffe. Hein. Il y en a un juste à ta gauche. Il t'aggro. Essaye de les aggro tous. Essaye de les aggro tous, ouais. Parti. Allez, venez les copains. Oh putain, il y a le professeur Vlad en plein milieu en plus. C'est wow. Chez moi. Tu vois courir ce camp avec Alien à ses trousses. Ah, j'en ai 5-6 là déjà. Viens pas trop là, j'y suis. Ouais. Va dans les sapins. À ta droite un peu là-bas. Ouais, t'en as débarrassé 3-4 là. Ah, mais le truc c'est qu'il s'arrête vite. Là, gros. Ouais, mais c'est pas grave, au moins il sort de la zone.
bon, vous avez réussi à rentrer? Non. T'es où, Brock? T'as avancé? J'avance un peu, mais... par où rentrer? Je pense que vers l'espèce de carcasse de blindé là. Fais gaffe, y en a une dedans, juste à ta gauche. Tu peux sortir du camp facilement après. En face de toi, y a une sortie. Y en a un qui vient de spawn à l'instant, à l'intérieur. Ouais, je me couche. Moi, il y en a toujours un qui me suit là. J'arrive pas à aller checker les tentes, moi. Je suis à côté d'une tente et je peux pas la checker. Mais s'il y a rien dedans, tu laisses tomber. Y'a rien. Tu regardes à l'intérieur, s'il y a quelque chose. Ah, c'est à l'intérieur qu'il y a les trucs? Eh oui! Dans les tentes. C'est comme c'est visible, genre s'il y a des canettes, t'as deux canettes dans la tente, s'il y a des cinders, tu vois les cinders. C'est posé, c'est pas du loot matériel. Ouais, c'est posé, je crois. Oh, il y a l'arbalète. T'es sérieux? Ouais. De la bombe, si on arrive à la ramener, ça. C'est la petite K. Ah! Ah là, y'a rien là. En face, y'a encore une zone. Je traverse. Je suis ouf. Oh! Y'a cet enculé de patient zéro juste devant moi là. Moi, je suis en plein milieu du camp là. Il gueule cet enfoiré. Il m'a gros. Il m'a gros cette pute. Oh, y'a une cinder. Il m'a mis. Il vient vers moi ou pas? Je suis mort. Non. Oh là là, ce qui m'a mis le zombie quoi. Lâchez mon pote. Putain, c'est débile. Ah, il est mort. Il est mort, il est mort. Je peux rien faire pour lui. Je peux rien faire pour lui. Y'avait des cinders, t'as ouais, vu? Ouais, y'a des cinders. Tu me vois ou pas? T'es parti à gauche, là. Je suis parti. T'as une boussole? Plein sud-est. Non. Bah, si t'as une carte, je suis parti plein sud-est par rapport à la base. Ça m'a fait pareil la dernière fois, bon. En un coup, il m'a projeté par terre. T'avais du bon stuff sur toi? Et il venait de trouver l'arbalète déjà, rien que si on ramène ouais, l'arbalète. Ouais, mais c'est pas ça, mais c'est que là, du coup, je suis comme un con quoi, tu peux plus spawn, tu sais. C'est vraiment de la merde ça. Rien net quoi. Ok, je les ai semés. Fab, tu sais ce que je veux? Ah, mais ils y sont sur ça encore. Tu en es conscient? Je veux l'arbalète. Je partirai pas sans. Ou les pieds devant. Mais tu retournes chercher Brock et moi je fais des allers-retours. Comme ça, si je meurs, tu peux me récupérer. Ouais, c'est bon, c'est parti, j'y vais. Allez, moi je retente. Je suis en train de faire une vieille technique de fouine. Mais il y en a trop. C'est abusé. Je bouge pas, tu peux pas me voir. Tu peux pas me voir, tu peux pas me voir, c'est impossible.
C'est impossible, mec, c'est impossible, c'est impossible. Je suis une feuille morte. Et oui, bah oui. Il me voit pas, mais il me fonce droit dessus, tu vois. Je vois ton stuff en plus. Je crois qu'il y a une petite chance, c'est qu'il crie avant de charger, je crois. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai deux Cinder. Pose-les en dodo au pire. Ah, mais non. Trop loin là. On devrait planter une tente là, sur la côte. Carrément, ouais. Tu m'entends là, Brock? Attends. Ouais, sur la côte. Ouais, je te vois. Je suis mort. Je suis sûr que je suis mort. Putain de merde. Trop gourmand. Trop gourmand. J'ai vu l'arbalète. Je la tenais dans mes mains, les gars. T'as pris une patate? Ouais, j'ai pris deux patates. Et je suis tombé. Franchement, je sais pas comment on va faire. Sans hélico, je suis même pas sûr que ce soit possible. J'espère que t'es sûr de ton coup là. T'es pas obligé de monter sur la plage comme ça, je crois. Elle est par là ou un peu plus à droite, dans les sapins. Lisière sapin de la mer. Ouais. Je te vois à ta droite. Attends, mais c'est ça, Gatlin? Ouais. Capri 69. Ah ouais! Tu sais que je l'avais jamais vu? Stylé. Vous l'avez déjà vu, vous? Non. Enfin, vu, oui, mais... conduite, non. Oh. C'est immense. Il y en a plein qui est monté tireur, quoi. Je sais pas, mais il n'y a pas besoin de tireur. Il n'y a pas de tireur. C'est toi qui tire, je crois. Mais non, il y a place tireur. Attends, fais voir, bouge pas. Ah ouais, tireur. Enfoiré. Comment tu m'as baisé? Mais t'es obligé de tirer tout droit, de toute façon. Ah, mais c'est les... Ça, c'est vrai que c'est les. C'est les, hein, parce bah, attends, je teste un coup là. Mais tu tires droit, mec, de toute façon, y'a pas à chier. PKT droit devant. Genre, ça c'est bien, mais quand tu poursuis un véhicule, tu vois. Fais gaffe, gros, t'as l'engine à 20, quoi. Ah ouais, là, si on touche un truc, il faut sortir. La vengeance, c'est. Ah, la PKT. Un peu à ta gauche. On va foutre le bordel. Ah, c'est parti. On rentre dedans, on klaxonne même, je sais pas, on tire, on fait quelque chose. Moi je gâte un peu les alentours comme ça en même temps. Toi qui tire hier. Ouais, ouais. Par contre, il faut que tu sois bien en face pour que je les tape. Oh, pourquoi elle a écrasé cette tente? Je sais pas. C'est là que je capte que mon casque c'est vraiment de la merde. J'entends les bruits mais ça a rien à voir avec la direction. Oh là là. Ah, essaye de te mettre un peu face à eux. Putain. Wow. Moi je me suis fait aggro. Merde. Les stuff ils sont là, ça rase. Ça recharge. T'es sûr? T'as entendu ce vieux cri? Ouais, y'a une balle qui a ricoché. Je sais pas si c'est ça que vous avez entendu. Moi j'ai rien entendu. Moi j'ai entendu la dernière balle. T'arrêtes de tirer, y'a une dernière balle qui est partie sur le mec. T'es poursuivi, Fab? Ah, je suis poursuivi. Dans tous les sens, ça. Ah putain, c'est dommage qu'on puisse pas les écraser, rien aussi. Faudrait essayer de tous les faire ressortir doucement. Ok. Immortel tant que tu les touches pas dans la tête.
Putain, mais je pute contre un truc là, ça m'énerve. J'ai vidé 100 balles, ça leur fait rien du tout. Suivez-nous. J'en ai 25 d'armes. Je vois. Mais bon, le problème c'est qu'il en reste 2 devant l'entrée où je suis. Il m'a aggro. Il m'a aggro moi ? Ouais. Je vais essayer de te les dégager, Brock. Viens là, toi. Viens là, rasé. Tu m'as vu, Brock, ou pas? Ouais, je t'ai vu. Hop. Je les aggro vers là où il est parti, lui aussi. Le problème, c'est qu'il me suit pas bien. Viens là. Viens là, petit, viens. Je t'ai vu là-bas. Bonne chance, mec. Ben, back, hein. L'arbalète, c'est le plus important. Je viens de chercher à l'ouest, à l'est, à nord, au sud. T'as aggro en partant? Ouais, t'as aggro. C'est que tu es toi hier. C'est moi qui aggro. Ok, je suis dans le camp. T'es dans le camp encore, Brock? Voilà, je me taille. Je me taille hardcore là. Je te vois. Je me taille comme un enculé là. Mais c'est bizarre, j'arrivais pas à récupérer les cartes électroniques des trucs à côté. C'était vraiment bizarre. Oh putain, je l'avais pas vu. Allez, hier. Heureusement, il m'a pas one shot. On se barre? Ah non, on va back là. Ok, j'essaie de venir vers vous, je vois la fumée. Je vais peut-être y rester, les gars. T'as 50 zombies au cul. Vas-y, gros. Je vous vois. Bon, mais au moins on aura l'arbalète, hein. Mais bon, pour farmer les cinders avec cet endroit, je pense que c'est hélicoptère ou rien. Hélicoptère posé sur la tente quasiment. Et où il y a? J'arrive droit sur vous là, mais dans la foule de zombies quoi. Avec un sac droit à l'exploratrice. Putain de sa race! Tout ça pour une arbalète quoi. Je vais faire une lettre au développeur, tu sais quoi. On va aller au péage. Hein. On va se taper ce péage. Vous voulez pas qu'on... À la maison. Et tu veux pas qu'on aille à la plateforme plutôt au Zodiac? Ouais, oh, faut rentrer en bateau, comme ça on l'a le bateau. Et ouais, t'sais. Mec. On a le bateau, on peut même en ramener un deuxième. Et on a l'arbalète safe parce que là, je te rappelle qu'on a encore au moins 50 sur le serveur, 40-50. Hein. Sérieux? Et y'a pas de tireur. Mais on va y aller 10 fois à ce péage après. Ouais, t'inquiète. Hein. On a l'arbalète, faut la safe. Ouais, et on garde sur la côte, on cache la Gatling, on essaiera de la ramener par la route la prochaine fois. Du coup, on fera le péage, on fera tout. Ah, mais on fait une chose à la fois, tu sais. Là, moi j'ai trop envie de la perdre, l'arbalète, c'était la mort pour la choper. Ah, franchement, avec un hélico, je pense que c'est pas trop galère. Deux équipes, une équipe qui sort un peu les monstres d'un côté. Un hélico et un Ural, et là, tu formes ça les doigts dans le nez, quoi. Ouais, j'irai pas jusqu'à dire les doigts dans le nez, mais... Je suis sûr, tu te barres, tu reviens, les cinders, ils ont repop et tout, quoi. Ouais, ça par contre, c'est sûr. Mais alors, paye ta technique de bourrin, quoi. Il faut se poser en hélico, après, faut safe les cinders au cas où l'hélico se crash. Faut faire ça organisé. Oh, j'en ai pas vu ça. Écoutez, c'est la première fois qu'on va rentrer en vie, sûrement, de Novistrana, hein. On a pas ramené grand chose de Cinder, mais bon, c'est un truc que tu peux pas avoir, les Cinder. Hein. On a gagné 2 restarts d'avance, c'est pas mal. Pas mal, hein. Elle a une belle gueule en plus. Ouais, on ira jouer. VH20. Ouais, voilà, c'est les normales, c'est les mortels. Mais apparemment, on peut trouver des fléchettes anesthésiantes. Est-ce qu'elles ont déjà été intégrées? C'est possible que non. Et l'autre, hein. le petit gun, c'était quoi ça? De quoi, le petit gun? Bah, y'a l'autre arbalète, c'était un... Mini MVA? Je sais pas, il me semble, normalement y'en a qu'une. Peut-être qu'il y en a une sans cross, quoi. Ça doit peut-être être ça. Y'en a une, elle était toute petite, quoi. C'était un genre de gun, ouais. Ouais, je crois que c'est la même, mais sans la cross. À l'arrière.
Ah, elle est sympa. Passez pas devant. Non, franchement, c'est nerveux. Vas-y, vas-y, retire contre l'arbre là. Et retire. Attends. Tiens. Putain, là, je l'entends pas, mon gars, dis-toi. Ouais, non, mais c'est ultra silencieux. Allez, moussaillon. Je comprends pas que vos stuffs ils aient disparu. Quoi. Ah pareil, peut-être c'est peut-être une zone spéciale un peu. Ah. Parce que je te dis que à mon avis, personne n'y a mis le nez dedans, c'est impossible. Le peu de temps déjà qu'on est allé, qu'on est revenu, et le fait que c'est. T'as vu comment on a galéré pour atteindre le stuff, ça m'étonnerait que. Il y avait une tente écrasée, donc il y a des mecs qui sont passés. Ouais. Et quand on est arrivé, il y avait un véhicule, on aurait dit qu'il repartait quoi. Ouais. Ah mais chaud, comment ils ont fait les mecs? Ah ils sont entraînés. Ils sont entraînés. Elle est pas mal, notre, bah, tu vois là en deux speed on a trouvé une technique hein, et c'est. C'est ouais. Bon ça. Un véhicule qui tourne autour et les deux qui essayent de rentrer à pied discretos, mais bon. Pff, ça veut partir un coup tourne, à tout le monde. Hein. Plus un mec qui aggro et t'as plus aucun zombie quoi. Ah mais dans le pied ou quoi. Franchement si tu le one shot avec une flèche je rigole. Oh putain tu vas péter une jambe. Mais ben ouais. Ah j'ai plus cher. Ouais. Ah ça m'est mal. Et ça fait aucun bruit quoi. Ah, j'ai ben non. Je suis des fous qui en plein dans les boules mon gars.